Alors voilà. Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé. Et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement, et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'as une hallucination! C'est toi l'hallucination. Donc t'es un Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Moi, comme la nuit, merci mon chou. Le Nicolo! J'en sais rien, peut-être qu'Harry est allé trop loin, qui s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire? Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors, si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraîner. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent? Hé, hey, mes indices! C'est quoi tout ça? Harry est encore en vie. Affaire classée. Mais l'enquête reste ouverte, tant que je l'ai pas résolue. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors, quelqu'un a simulé la mort d'Harry. Ou alors, Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. Non. Deux secondes. Je lui ai déjà réglé son compte à ce pauvre Nulos. C'est une simple formalité. Hé, hey, mon pote, tu fais quoi, là? Quand il y a des gens, ça me bloque. Sors-moi de là tout de suite! Pika, Pika! C'est un coup de théâtre très théâtral. Attrape-le! Il bouge à peine. Mais enfin, ne lui dis pas ça! Oh, il prend une moto! Vite! Bloque-le! Stop! Ah non, il s'est pris une grosse gamelle, là, Tim. Il aurait dû mettre un casque.